Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Oxygen Not Included et j'ai un petit peu travaillé sur les fusées parce que je ne comprenais pas tout le fonctionnement. Et il s'avère qu'au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que le Sugar Engine ne fonctionne pas. On va donc le démolir. Il ne peut contient tout simplement pas assez de carburant pour décoller. Voilà, alors il faut lui rajouter un cargo d'oxydite ou d'engrais qu'il faut bien remplir à fond et il va consommer l'oxydite ou l'engrais pour fonctionner en tant que carburant supplémentaire. Enfin bon, c'est à la fois compliqué à faire et coûteux de faire de l'engrais et de l'oxydite. On va utiliser l'autre moteur qui lui fonctionne très bien et qui en plus permet d'aller plus loin. Je pense qu'il y a encore de l'équilibrage à faire au niveau du DLC. Pour l'instant, je pense que dans une prochaine version, le Sugar Engine permettra de décoller et d'aller à deux cases comme c'est censé être prévu, sans avoir besoin de plus de carburant. Voilà, il est censé faire un aller-retour à deux cases et revenir. Alors, on va démonter ce carburateur et on va commencer à préparer aussi ce qu'il y a dedans. Alors, à l'intérieur, nous allons mettre pas grand-chose de compliqué, hein. Voilà, une petite échelle ici. Une table ici pour manger tranquillement. Un frigo. Voilà. Un générateur. Une batterie intelligente d'abord. Des câbles. Voilà, une lampe. Voilà, pour éclairer ce coin-là. Pour manger dans la lumière, on est toujours mieux. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va mettre encore? Un chargeur de convoyeur. Un générateur manuel. C'est pas fini, c'est pas fini. Et il me faut aussi un diffuseur d'oxygène. Voilà. Le tout en neuf. Merci beaucoup de vous occuper de ça. On sélectionne ici la porte. Et ils vont s'en occuper. Alors, on va aussi travailler aujourd'hui sur notre ferme. Vous voyez, on n'a plus d'eau. Et là, ça va être la panique ici. Bien entendu, ça va être la panique. Il est temps maintenant de tout arracher, là, carrément. Voilà. Ainsi que ça d'ailleurs. Sais pas trop pourquoi ni comment. Si c'est les pipes, si c'est moi. Presque fini. Ça bosse bien, il en reste deux. Tu discutes ou tu bosses, toi? Merci. Et ensuite, on va copier les paramètres et ils vont revenir planter. Évidemment, nous, on va en profiter pour envoyer l'eau ici. Ah, ça c'est une priorité. Tout comme ça va être une priorité de démonter. Les conduites de liquide ici. Voilà. Allez, go. On n'aura plus besoin de l'eau sale là-dedans. De toute façon, on n'en a plus, hein. C'est fini là.
Très bien. Donc ça veut dire qu'ils ont démonté mon moteur. Eh bien, il va falloir m'en refaire un. Carbone dioxyde, s'il vous plaît. Merci. Et on va améliorer un petit peu les fermes qui sont ici. Ou plutôt les automatiser un petit peu. Voilà, nous allons maintenant avoir un convoyeur. Hop là. Non, c'est pas beau. On va le mettre ailleurs. Non, non plus, c'est pas beau. Hop. Toi, tu vas le mettre là. Toi, tu vas le mettre là. Toi, tu vas le mettre là. Ici, on récupère la nourriture. On la met là. On la ramasse. On la met dans un frigo. Tout cela, bien entendu, est alimenté en énergie. Qu'est-ce qu'on va avoir ici d'autre à faire? Des rails encore, hein? Donc pour mon... Non, c'est pas bien. Ouais, mais comment j'approvisionne l'autre? Je monte comme ça? Ah, c'est moche, c'est tellement moche. Allez hop, zou. Voilà. Avec évidemment un pousseur ici. Sinon, ça va rien pousser. Et un câble pour venir gentiment jusque-là. Nous y voilà. Allez. Grille électrique, c'est neuf. Voilà, le frigo, tu mets tout dedans, sauf... Voilà, sauf ces trucs-là. Est-ce que l'eau sale, elle est bien évacuée? Mais je dirais que oui. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez de cuivre. On va aller ramasser du cuivre. Ça, c'est pas du cuivre, c'est du soufre, mais de toute façon, c'est pareil, on en a besoin. Ça c'est fait. Là, ça va miner plein de cuivre assez vite. R toujours 120 trucs. Bah ouais, parce qu'il y a plein de rails à faire, hein. Et plein d'alimentation électrique, donc du boulot. Ok, choisir un plan. Tiens, allez hop, des brochettes.
80, ça avance bien quand même. Là, le problème, c'est que je vais utiliser du fer et qu'à mon avis, il faut qu'ils aillent chercher le fer ici. Tiens, je vais ouvrir ici. Pour que le dioxyde qui s'est accumulé en bas monte. Parce que je veux pas mettre ma pompe en bas, je vais la mettre plutôt vers là. Parce qu'en bas, il va faire trop chaud. 48 encore, ça va être tendu de faire tout ça avant la fin de la journée. Mais bon, ça c'est les mineurs qui ont fini leur boulot. Voilà, qui reviennent. Très bien. C'est quoi ça? Du dioxyde de carbone congelé. Ah, intéressant. Mes petits bonhommes, là, ils sont morts. Bah, ça tombe bien parce qu'il aurait fallu les supprimer vu qu'on change de méthode et que maintenant on a besoin de notre dioxyde de carbone. Ok. On va sûrement faire une pompe à gaz ici. Voilà, avec un filtre à gaz, parce que sinon ça va pas fonctionner. Plutôt plus loin en fait le filtre à gaz. Je pense ici. Une évacuation de gaz. Non, pas une évacuation de gaz parce que s'il y a trop de pression, il y a souvent trop de pression, on pourra rien faire. Un réservoir de gaz. Accumuler. Une évacuation. Ils sont partis chercher le fer en dessous. Gare à fort. Gare à tout. Je vais dormir là. Ah, ils ont été chercher le fer, c'est pour ça. Donc tu vas expulser le dioxyde de carbone ailleurs. Et voilà.
Arrête-toi là pour aujourd'hui, ça devrait suffire. Est-ce qu'ils ont construit quoi que ce soit là-dedans? Bah ils ont construit quoi que ce soit. C'est vrai qu'à chaque fois pour ressortir, c'est la cata. Allez, vous allez pouvoir vous reposer tranquillement. Ah oui, j'ai mis d'accord, j'ai mis le moteur en priorité, donc du coup, notamment, ils vont pas se reposer tout de suite. Ça demain, vous ferez ça demain, ne vous inquiétez pas. Ça presse pas. Allez manger tranquille. Ah voilà, frigo bien rempli. Donc le chargeur de convoyeur, il charge tout ce qui est comestible. Ah, je me prends pas la tête. Hein. Voilà. Et ici, bien entendu, qui n'est pas alimenté, il va charger du soufre. Et on va lui demander de se remplir en priorité quand même. Allez, ça c'est rapide à faire, les enfants. Tout cela va très vite. Ça doit être un câble en quoi? En cuivre? En fer? Mais vous voulez pas aller chercher le fer qui est loin, c'est ça? On peut le construire en autre chose, hein, ton câble, hein, si tu veux. On peut le construire en cuivre. Il y a du cuivre qui a été fabriqué. Maintenant, j'aimerais bien que vous remplissiez ça. Du soufre, il y en a partout, hein, donc faites pas votre chichi. Donc avec la quantité de nourriture que j'ai fait, il faudra une case de soufre par jour. Bah c'est du soufre aussi ça, donc oui. Go. Ça y est, il est rempli. Il est rempli de rien du tout. Autorisé l'utilisation manuelle. Non, personne ne va remplir ça. Recherche terminée. Et ben maintenant, j'aimerais bien que tu me fasses... Voilà. La protection. Voilà, on veut que ce soit complètement rempli. Quand ça sera complètement rempli, on le descendra. Bon, je pense que c'est bon, là maintenant on peut le mettre en neuf. Voilà, de toute façon c'est plein. Ok, mon générateur est prêt. Allons voir à l'intérieur. Ouh, ça construit.
Alors sachez qu'on peut tricher en utilisant les codes de triche, enfin le contrôle F4. On peut démolir un mur de la fusée qui est un truc indestructible. Et après, du coup, vous pouvez construire une très grosse fusée autour si vous avez envie. C'est très fun, très rigolo de faire une des grandes, grandes fusées. Fonctionne très bien en fait. Vous avez juste à faire CTRL F4, à utiliser l'outil destruction qui va détruire, du coup, par exemple, de quoi faire passer une porte ici, pas ici, hein, parce qu'il y a le sas. Et à partir de là, vous pouvez construire votre fusée tout autour, à utiliser tout le carré en fait. Et faire un truc avec saunage, accusé et tout. Brodgar a fait ça, j'ai trouvé ça très rigolo. On va laisser se reposer, puis demain on va insister un petit peu. Là, le moteur est plein. Non, pas plein. Si, il est plein. Donc ça va se stacker là. Voilà, ça va commencer à stacker. J'aurais peut-être dû mettre une condition de pression pour la pompe. On y va. Circuit logique. Hop. Capteur Atmo. Voilà. Bon, cette salle continue à fonctionner parfaitement. Ici, on a de l'eau sale. Ici, on a les deux types saumure et eau saline. Ça me fait penser qu'ici, j'ai oublié d'envoyer notre scientifique analyser. Celle, à mon avis maintenant elle arrive de là plus qu'ailleurs. Que là je vois que de la saumure en train d'attendre en fait. Elle est décontaminée ici tranquillement. Par petite quantité. Voilà, 140 kilos. Les germes sont en train de disparaître. Ça reste bloqué là. Ça y est, ça va passer de l'autre côté. Là, on va retrouver nos 140 kilos avec leurs germes, un petit peu moins. Et dans le dernier bac, c'est la fin de la dépollution juste avant d'être expulsé. Pendant ce temps-là, il y a un bac avec des germes ici. Voilà. Alors comment ça se passe dans ma fusée? Ah, plutôt bien, vous êtes en train de pédaler avant même que le truc soit. Ah bah oui, je pense bien, c'est du boulot, hein. T'as pas encore d'oxygène, t'as pas encore la batterie. C'est pas petit, hein. Allez-y. J'ai pas besoin qu'il soit alimenté. Pourquoi je voudrais l'alimenter? Alors, autorisé manuel, organique, algues à fond. Ici, comestible, les roses grapefruits à fond aussi, mais que 20 kilos. Ça fait 20 000 kilocalories. Voilà. Est-ce qu'ils vont mettre quelque chose là-dedans ou est-ce qu'ils veulent pas tant qu'il n'y a pas de sortie et tout? Eh, dis donc là, faudrait que quelqu'un vienne s'en occuper aussi, hein, de ça. Bah, ils viennent s'en occuper, mais ils viennent pas mettre d'algues là-dedans.
Alors, le réfrigérateur consomme autant, quasiment autant que ce qu'on peut produire, hein. Il consomme 120, là c'est 400 de production. Grosso modo, il faut pédaler 40% du temps pour le maintenir, hein. Donc il ne sera pas tout le temps allumé, mais au pire, c'est toujours mieux que ce soit par terre, que ce soit partiellement allumé. Là, j'aimerais bien que tu me mettes 1000 d'algues. Alors, qu'est-ce qu'on peut imprimer? Aucun contenu. On a des algues au moins? Voilà, là j'affiche tout ce qu'on a besoin d'afficher ici. Et ensuite on va aller ici, voir si on a des algues. Zéro kilo d'algues, ce qui explique pourquoi j'en ai pas du tout. Mais en même temps, ça devrait vraiment, vraiment pas être un problème à faire. Mais non, c'est la nuit, c'est toujours la nuit avec vous, hein. Comme par hasard. C'est carrément louche, hein. Toujours la nuit. Non, 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 fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Vas-y, fais-le. Ici. Hop, ça. On peut démolir. Là. Aussi. Là, voilà. Là, ici. Il faut ça. Là. On va faire ça. Maintenant, ici. Ça, et on aura vraiment ramassé nos algues. Merci, tu m'as mis des... Tiens, j'ai une alerte encore quelque part. Ah bah voilà, ça c'est plein. Et du coup maintenant, on peut le démonter. Bon, on peut le laisser, ceci dit. Pourquoi je voudrais le démonter? Je vais le refaire, y compris avec son petit rail, puisqu'il faut le rail. C'est juste qu'il a plus besoin d'être, voilà, à fond. Ouais, mais je crois que dans le chargeur, on peut pas récupérer le truc.
Ouais, du coup, pour que ce soit par terre, on fait ça. Et on l'activera pour remettre quand on aura envie. Là, il considère qu'il y a zéro d'algues. Voilà, comme ça, on a un mécanisme qui fonctionnera de façon permanente pour recharger un dépôt d'algues. Voilà, de l'algue posée par terre. Alors, je sais pas pourquoi il y a des petits chapeaux. Hein. Je sais pas non plus où ils vont faire pipi. Hein. Sans combinaison, je pense que ça sera assez vite sale. Voilà. Voilà, on va l'algue qui arrive ici. Là, on peut maintenant ne plus autoriser l'utilisation manuelle. On va sortir. Merci de venir m'aider à faire ça. Ainsi que ça. Et puis ça, bien sûr. Allez, parce qu'avec un peu de chance, on pourrait partir aujourd'hui. Vous allez pas vous coucher. Vous allez sincèrement pas vous coucher. Ok, bon, on va tricher. Voilà, ça va mieux, hein. Ah, ça va, je rigolais. Dommage parce que c'est mon pilote. Du coup, c'est mieux qu'il soit pas mort. En parlant de pilote, à partir de maintenant, je le mets en auto. Ça signifie qu'a priori, il doit être dedans. Voilà, il est là. Il attend le départ. Voilà, la fusée elle est comment? Cargo loading complète. Lander not constructed. Bah alors non, dans ce cas-là, on va changer. C'était non, du coup. Oh là. Voilà, tu peux sortir. On est d'accord que tu sors. Voilà. Alors le rover il n'a pas été construit. Et bah on va les demander. Et cargo loading incomplète. Tu penses vraiment qu'il nous manque des trucs? Qu'est-ce qui nous manque? Ah bah il manque le... Non. Sur cargo to or from this rocket. Et tu penses qu'on peut encore mettre des trucs? Non, pour moi non. Pour moi non. Donc on y va. Là on est prêt à partir là.
Donc, il est temps de vérifier là où on va, parfaitement. Est-ce que t'es dedans? Non, t'as pas l'air dedans. Ah, il est dedans. Attention. Launch. Et c'est parti. Oups, elle est partie vite, hein, dis donc. Du coup, elle est où notre fusée? Elle est là. Ouais, t'as envie de pisser. Comment dire? Piloter la navette. J'aurais peut-être dû mettre quelqu'un d'autre pour faire de l'énergie alors, parce que. Tu es obligé de piloter en permanence. Non, c'est votre première fusée dans l'espace, mais tu vas pas avoir d'oxygène. En fait, si, probablement. Ah, si. Bon, par contre, ça, on sait que tu vas faire pipi. Ouais, non, mais ça, on sait, mais j'ai pas mis de toilette, t'as remarqué? Voilà, y a pas de toilette, hein. Voilà, il faut recharger l'énergie pour que ce soit ça congelé. Bon, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien. Voyons maintenant notre carte stellaire. Elle est presque arrivée. Ah, t'as fait tout le trajet en quelques secondes. Waouh! Eh ben, il faut déployer le rover. C'est excellent, ça. Le voilà. Et voilà le petit rover. Le petit rover. Alors le petit rover, si je suis amalgame d'or, donc c'est tout ça, c'est de l'or. Bah dis donc. Si ma mémoire est bonne, il peut miner. Ouais, mais il a une batterie limitée. Donc l'idée, c'est qu'il fabrique une plateforme d'atterrissage pour les fusées. Mais on verra ça demain, parce que je vais regarder à peu près combien d'énergie il lui faut, et combien ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. En tout cas, on a déjà de l'oxygène et du dioxyde de carbone ici. On a un gros trou ici, ça va pas être pratique, de l'eau. Enfin, on a quand même de l'eau et de l'oxygène et des oxygères. Et ça, c'est pas si mal. Surtout qu'il y a plein d'oxygères ici, en fait, en vrai. Excellent, excellent, excellent. Il est chouette ce planétoïde. Il doit être facilement habitable. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.